Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous amène en crosse avec moi et 14 de mes cavalières. On part aux écuries de Riboulam et certaines d'entre elles vont en profiter pour passer leur galop 5 de crosse. Alors c'est parti! Alors, pour faire deux groupes de transport, groupe 1, non, non, non. Bon, première étape, préparation des chevaux et des cavaliers. Ici, on a chatertonné la queue pour pas qu'elle s'accroche dans les obstacles de cross. On va leur mettre leur protection, cloche, etc. La selle, et on est parti pour le cross. Voilà, vous allez partout tranquille au père. C'est cool. Non ? Pour commencer la journée, on va faire en sorte que les chevaux évoluent un petit peu dans l'air dans laquelle après on va sauter des obstacles. Donc on les dispatche un peu tous, on va commencer à les trotter tranquillement sur le terrain, puis les galoper de façon à les mettre en route et après on saute. Très bien, sortez, baisse la tête. Tranquille et respirez surtout. N'oubliez pas que c'est des éponges. Tout ce que vous ressentez, ils ressentent la même chose. Bon du coup ça y est, on a fini la matinée, les chevaux ont été plutôt coopératifs, donc ça c'est très cool. Cet après-midi on va pouvoir enchaîner un petit peu plus d'obstacles. En attendant il est l'heure de les déceler, de les nourrir, de les faire boire, et nous aussi on va aller se nourrir et se faire boire. Donc pause midi. Ok, regarde où tu vas. Laisse, voilà, pose ta main, laisse aller, laisse aller.
Ok, on reprend pour la séance de l'après-midi. Donc l'idée, c'est de refaire une petite détente rapide au chevaux avant de retourner sauter. Métier, on dit cross pluvieux, cross heureux. Ça y est, la journée s'achève, les chevaux ont été top, le cross était très bien, les filles qui devaient passer un examen l'ont réussi, donc tout va bien, il nous reste plus qu'à rentrer au club. Moi je vous laisse vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, liker, partager cette vidéo, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.